Attends, je peux sonner là? Oh! Des œufs au plat, s'il vous plaît! La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. C'est pas possible d'être aussi con? Non mais... Eh, hey, elle est là, mon frère, regarde. Eh, viens voir, elle est là. Non mais je voulais que tu la découvres toi, je me suis dit il faut... J'ai cru pendant deux secondes que tu l'avais pas vu. Tout ça, j'ai vu que j'étais plus fort que toi hier. Sur ce coup, j'étais là... Ah! Là, faut y aller tout doux. Hein. Tu lis ce qui marque? Oui, oui. Ils ont dit ils ont voulu soit conserver quelque chose à l'intérieur ou enfermer quelque chose à l'intérieur du complexe parce que les murs sont très solides. C'est quoi la différence entre les deux trucs que tu viens de dire? Bah, soit contenir ou faire sortir le truc. Ah, faire sortir à l'intérieur. Oui. Ah, attends, il y a un truc vert là. Oui, il y a un truc vert. C'est normal quand on y aille avec le truc, on n'était pas censé y aller à la nage. Hein. Ah, bah, je sais pas, mais en tout cas, moi j'y vais comme ça si je peux. Hein. J'ai un truc. Bah, là, terminal de données. Hop là. Vas-y, prends. Je sais pas si t'as vu là-haut. Regarde. Là, le poisson là? Attends, où ça t'es où? Attends, là. Ah non, attends, j'arrive, je m'enlève. Regarde. Tu peux scanner ça, le petit logo. Oh! J'arrive. Spécimen de raie. Mais c'est comme là, regarde. On est sur. Oh là, c'est du alien ça. Cage thoracique, oula. Ah, justement, c'est pour te montrer, genre. Il y a des trucs qui ont été faits ici, quoi. Ça fait comme The Forest, c'est ça? C'est parti en couille et puis. Ah bah, il y a eu des expériences, tout ça. Oh là là. Là, c'est cool, là. C'est vraiment cool. Viens voir, là, l'expérience ici. Viens voir, là. Attends, on est sur. Ah, mais je passe à travers, j'ai cru que c'était fermé. J'ai cru que c'était vitré, MDR. Regarde l'expérience. Ah oui, moi aussi, j'ai cru que c'était une vitre. Oh, un reste squelettique. Attends, je peux lire le truc, je peux en profiter ou pas? Allez, ouais, vas-y, si tu veux. Alors, le reste de squelette d'un grand prédateur hébergé dans un habitat artificiel. Habitat, l'environnement construit pour loger le spécimen suppose qu'il a été gardé en vie et retenu à des fins d'études pendant des mois, voire des années. La matière organique indique que l'habitat a autrefois accueilli une végétation variée, bien qu'elle ait disparu depuis. Quand l'installation s'est effondrée, le spécimen a soit été abandonné sur place, soit tué. Ah ouais, sur le coup? Merde. Évolution. Bien que son squelette partage certaines caractéristiques avec le mordeur et le requin des sables, y compris ses doubles orbites distinctives, ce fossile est significativement plus grand et présente des avant-bras rarement vus chez les espèces aquatiques. Cette espèce a probablement disparu au cours de ces 1000 dernières années. Et ses cousins, ok, évolutionnaires, ont évolué presque au-delà de toute reconnaissance. J'avoue, intéressant. T'as vu comment il les a? Maintenant que tu le dis, tu vois. C'est stylé, hein, n'empêche. Ah, oh, c'est tellement intéressant, là, je kiffe. Alors, moi, j'attends, je donnerai mon avis à la fin du jeu, bien évidemment, comme d'habitude, mais je regrette qu'on ait pas eu autant dès le début. Alors, pas peut-être tout de suite les aliens et tout, mais un peu plus d'histoire comme ça. Bah, j'aime bien les trucs comme ça, là. T'as rien écouté au début. C'est vrai. Il est vrai. Alors, on n'a pas attends, tout fait là, sinon, pas possible. Je suis collé à toi. Oui, oui, je te laisse passer. Il me reste des trucs, mais en fait, je sais pas si. Comment t'as fait pour mettre le jeu en coop? On joue avec Amashi et Nitrox. Allez, boum, tu l'as vraiment explacé. Ouais. Ah! Ok. Je m'enlève là, non? Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends! Oh, bah, c'est le Warper 2000! C'est l'aspirateur là. C'est ton pote. Ah oui, c'est celui qui s'est TP tout à l'heure à côté de moi. Vas-y, il je scanne. Un petit peu disséqué par contre le bonhomme. Hein. Mais grave. Ça y allait les tests là. Ah bah si. Ah non mais. Ah bah voilà. Tout à l'heure, est-ce que là je peux le prendre? Non, par contre, je non, peux pas le prendre quand peux même. Scanner, ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ok. Okay, attends, je vais lire un truc sur le Warper 2000. Est-ce qu'il y a un truc hyper important sur lui? Mais pas dans ton vaisseau avant. Ouais. Oui, ah, oui. Tu as pris le terminal ici? Ah non, je l'ai pas pris. J'arrive. On est passé à côté encore. Comme d'habitude. Comme d'hab. Tu vas à l'opposé. Ok. Oui, bah j'arrive. Comme d'hab. Ah ouais, je disais à toi. Alors, oh. Oh non, ça. Attends, je m'auto-scanne.
Ouais, voilà, là, ils te disent de t'auto-scanner. Je vais crever. Oh non! On va canner. Si on est trop lent, on va mourir. Comme la dernière fois, tu te rappelles quand je t'ai dit que ça allait exploser, pareil. Ouais, et ça a explosé ou pas? Pourquoi il y a une musique comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton cœur qui palpite ou pas? Oui. Et il y a une musique genre un peu alien. Il y a un petit grésillement genre. Oui. Ouais. Moi aussi. C'est bien, on s'est pas trop coincé dans cette merde, attends, j'avance. Mais je me souviens pas qu'on devait y aller avec le Simote là-dedans, oh bah, je croyais que c'était limite à le plus important, c'est qu'on y passe, hein. Oui, oui, bah après ça passe. Ok, est-ce qu'on a tout fait du coup, j'ai l'impression? Oh, j'avais pas vu ça, attends, attends, je m'arrête, deux secondes. Est-ce que je peux le scanner, ça? Ah non, tous les petits poissons, là. Ok, vas-y, je te laisse passer. Tu penses qu'on a tout bah, fait? En fait, je peux pas trop passer, là, donc vas-y, hein. Non mais elle me rentre dedans. Non, c'est faux, je t'ai pas touché. Je suis passé juste en dessous. Je suis passé en dessous, je suis une pilote. 100% tu vas m'exploser, hein. On l'a fait. Oh là là, attends. Oui, ça on l'a fait. Je back. Rien tac, on vient de là. Aïe, là je me suis fait mal. Là d'accord. Là ok. La pilote. Ah là là. Attends, est-ce qu'à l'entrée là on a rien oublié aussi? Tac. Ici en dessous. On peut pas. Là, il y a le terminal, on l'a pas pris, sûr. Attends, je vais le prendre et j'aimerais bien le lire après deux secondes le truc parce que. Il nous faut une tablette violette, donc on peut pas l'avoir pris ce terminal. Non. Merci. Non. Bon bah, je t'attends ici, je te laisse faire l'aller-retour. Bon, on l'a pas la violette. Ah bah, si, les violettes, c'est celle qu'on en a, on en a plus. Ah si, on en a plein. C'est la orange, on en avait qu'une seule. Attends, moi je veux lire vite fait le truc. Ah, les Charognard. Violettes, je sais pas si on en a plein ou si. Parce qu'après, on peut la crafter, hein. Ça coûte quoi? Mais je sais pas si on en avait beaucoup d'avance par contre. Ah, on pouvait la crafter? Je me souviens oui, même. Sinon, plus. C'est cube ionique et 2 diamants, donc on peut les faire. Ah oui, les cubes ioniques, on en a plein. Par contre, la orange, c'est ionique et nickel. Nickel, j'aime trop bien en fait maintenant que j'y pense. Bon. Attends. Ah, voilà. Les parties organiques affichées contiennent de l'ADN provenant de dizaines d'organismes différents. Ah, le Warper, c'est quelque chose, hein. Originaire en grande partie d'une autre planète, ils sont dans de divers états d'augmentation avec des trucs... Ok. Oh. Ah. Elles ont été construites, entretenues et déployées par les extraterrestres qui ont conçu cette installation. De toute façon, vu la gueule du truc, tu te doutes que oui, c'est pas naturel, hein. Enfin, quoi que, quand tu vois le Léviathan. Ah. Oh. Ah. On en apprend plus sur l'histoire, hein. Donc là, pour toi, on a tout trouvé, mais il nous manque juste la tablette à récup. Oui. Ça va nous péter dessus. Ah ! J'ai l'impression que je suis très lente par rapport à toi d'un coup. Je me sens très lente. Je suis partie avant parce que je comptais essayer de commencer à faire l'aller-retour et t'allais rester. Je comptais t'abandonner. T'es sérieux ? T'allais me laisser là ? Mais c'est, je me suis dit que t'allais avoir la flemme de faire tout l'aller-retour là. Mais non, je viens avec toi, on a un binôme, je t'accompagne. T'es okay. Fou toi. Mais je me suis dit elle a peut-être des trucs à lire en attendant, tout ça. Un petit peu de lecture. Tu as des points sur ta main, retire ta combinaison pour voir. Ah ouais, bah je vais la retirer juste après, dès qu'on sera à la base. Vas-y, sors de l'eau, retire ta combinaison. Enlève-la. Il faut que tu te mettes à côté du Léviathan fantôme et que tu enlèves ta combi. Tout en le regardant, hein. Non, ça marche pas. J'ai juste un ça crie à côté chemin, de moi. Alors on va tellement se perdre et devoir aller retourner. C'est surtout qu'on va se faire bouffer, hein. J'entends des crèmes en bas à gauche. Ouais. Tu m'as abandonné lâchement, tu recommences comme avant. Oh. Attends, mais on est pas du tout passé par là au début, hein. Oh. Il va nous arriver une brindille là. Regarde, viens voir, il y a le cadavre d'un Léviathan, celui qui te fait peur. C'est vrai? Oui. Oh. Attends, les gens ils ont dit des fois qu'il y avait une maman Léviathan. Oh là là, ça je suis pas bien. Oh, ça commence. Mais non, il y a pas là. Non, je rigole, c'était pas un squelette, c'est moi qui m'aidais quand on tige, je rigole. Mais c'est un squelette, justement, il y a pas de maman, c'est un squelette, viens, bah là où je suis à l'arrêt. Oh non, Ors, ils m'ont dit les gens qu'il y avait une maman Léviathan. Mais c'est quoi le rapport avec le squelette? Bah, s'il y a le squelette, il y a peut-être sa maman pas loin. Non, mais. Il parle d'autre chose en vrai. C'est vrai? Ah, t'inquiète pas, tu vas la comprendre, tu vas voir c'est quoi maman. Pourquoi on s'arrête devant, le regarder comme ça? Bah parce que je voulais que tu le vois, je t'attendais en fait. C'est bon si tu l'as vu. Est-ce que je dois le scanner? Je sais pas, vas-y. Attends, je regarde. Oh là là, il va se réveiller à me bouffer. Non, je peux pas.
Mais du coup, on vient pas de ce côté, hein, parce qu'on l'aurait c'est vu. C'est sûr, on l'a pas vu. Mais bon, il va forcément y avoir une autre sortie par là. En fait, le problème, c'est est-ce qu'on va être capable de revenir aussi après. Oh, bah, on verra bien. Ouais, pas de spoil de chat, s'il vous plaît, pas de spoil. D'où les balises qui auraient été intéressantes. En plus, le chemin qu'on a pris tout à l'heure, il y avait aussi un autre côté où on pouvait aller encore plus en profondeur, on s'était dit, plus que 900 mètres. Ah oui, c'est vrai, t'avais raison. Donc il y a pas mal de choses qu'on attends, a pas c'est fait. Combien maximum 1500, tu m'avais dit? En profondeur? Je sais plus, je crois que nous... Je crois qu'on peut aller ouais, jusqu'à les 1500 à peu près. Je crois qu'il y a 1700... Je sais pas, le dernier biome, je crois qu'il est autour des 1500, 1700, un délire comme ça, quoi. Je sais plus exactement. Attends, c'est quoi ça, par contre? Il y a des cris vraiment bizarres. Hein. On l'a vu comment on remonte, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, ça va le faire. J'entends des bruits bizarres, ça tape sur mon vaisseau là, ça me... c'est pas bon ça. Hein. Ok, c'est vers là-bas. Tu m'as tourné en rond. Ouais, moi je te tourne autour très clairement. Oh là 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 là. Quelle angoisse. Du coup, c'est juste dommage le petit aller-retour pour une tablette, quoi. Mais... en plus, mais sinon, tu sais que depuis le début de l'aventure, j'ai des tablettes sur moi. Et je crois que c'est depuis hier que j'ai lâché les tablettes dans l'armoire. Sérieux? Oui. Oh non. J'en attends, avais une. Pourquoi on est derrière ici? On est où là? Oh non, non, non. On est à l'Aurora alors. Arrête, tu me fais peur. Je vais enlever le casque, ça va recommencer comme cet après-midi. D'accord, d'accord. On a des radiations qui proviennent de l'Aurora. Oh mais on putain de ça l'Aurora. Oh là 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 là. Ça va mal finir ça. Oh, ça va mal finir, Ors. Ah oui, il est là! Quoi? Hein? Oh bah viens, on s'éloigne. J'enlève mon casque, j'enlève mon casque! Non, mais non, mais non. Oh non! Quoi? Kira, quoi? J'ai besoin de toi. Je quoi rigole pas, j'ai besoin de toi vraiment. Mais cours mon quoi truc qui est bugué, il est à l'arrêt, faut que tu viennes oh, le. Faut que tu viennes le sortir. Ressors à toi. Ça marche ou pas? Oui, merci. Oh, je marche de travers, il est abîmé! Il est abîmé! Je suis obligé de le réparer! Répare, répare, répare. Oh, je vais me faire. Oh, je vais me faire becter! Mais non, mais non, mais non. Non, mais il devrait plus y avoir de rad là où je suis quand même éloigné là. T'es où? Je me suis éloigné un peu. Voilà, là j'ai plus de rad. Là où je suis, il y a plus de rad. Ah, tu regardes le retour, j'ai enlevé le casque. Alors, il y a plus de rad. Par contre, le Léviathan, lui... Quoi? Il est là? Ah, il peut être pas loin. Quoi? C'est bon? On y va? Bah là, je suis en route, je peux pas faire plus vite, hein. On est ressorti par le pire côté possible. Attends, mais je suis en train de me dire, d'ailleurs. Tac. Non mais... Ah ouais, parce que plus à gauche, l'autre entrée... Ouais, okay, c'était vraiment le pire moment pour que le vaisseau tombe en panne. Mais oui. Les radiations et potentiellement le Léviathan. Mais tu l'avais vraiment vu? Non, non, non. Je peux pas remettre le casque, il faut que je m'arrête sinon. Vas-y, remets le casque. Attends, je vais enlever le casque. Deux secondes. Voilà. Oh la vache! Ah ben voilà, voilà. C'est la preuve qu'il y a qu'une seule chose qui me terrifie dans le jeu. J'étais à 800 mètres de profondeur. Hein. Rien à faire. On me dit radiation! J'enlève le casque! Il n'y a qu'une seule chose qui me terrifie dans le jeu, c'est l'eau. C'est bien juste le seul truc, chose, hein. Juste l'eau. Une chose, hein, les gars, ça va, hein, tranquille. C'est l'eau, hein. On est sur quoi? Sur Subnautica, quoi, donc bon. Finalement, ça va. Mais tu l'avais vraiment pas vu, du coup? Comme... Non, mais par contre, oui, je pense qu'il pouvait être pas loin de nous. Ouais. Oh là là. On est vraiment sortis par le pichoté. Bah oui, bah je me souviens plus par où on était. De toute façon, hein, il fait tellement noir. Mais c'était pour te montrer le cadavre de Léviathan. Mais du coup, peut-être que s'il était là, c'était pas pour rien, justement. Tu vois? C'était un panneau, tu sais, pour dire ce côté-là, attention, Léviathan. Léviathan. Bah maintenant, on le saura. C'est ça fait un moyen mémotechnique. Hein. Oh! Mais tu te fous de ma gueule? Mais. Mais quoi? Tu m'as éclat. Quoi? Mais t'es où? Bah tu m'as buté. Quelqu'un peut clipper? Tu m'as... J'étais devant, t'es passé derrière moi, tu m'as foncé dessus. Mais j'ai toujours été devant, parce que tu me suivais. Non, c'est moi qui étais devant, t'étais derrière. Mais tu me suis depuis le début. Eh ben là, j'étais devant, toi t'étais derrière. Alors à un moment qu'il y a une des 5. Alors sur ma vue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, le chat, s'il vous plaît? Replay.